Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes samedi 20 mai 2023 et ce matin je suis de nouveau à Sissac, action de Sissac. Les chaises de jardin 5 positions, 24,95. Alors celle-là, je sais que j'ai beau à la rechercher. Je pense qu'elle est assez confortable, ou même très confortable, maximum 110 kg. Donc les 5 positions pour le dossier. Donc chaise de jardin et on a ici la chaise longue réglable à 39,95 €. Donc chaise longue, donc position assise, semi-assise, et on peut l'allonger maximum 110 kg, 39,95 €. Je me posais la question, mais en fait, celle-ci, elle est à... Non, 39,95 parce qu'il y a aussi 39,95 et aussi celle-ci, c'est pas la même. Donc celle-ci, c'est un, j'ai envie de dire un transat. Par contre, celle-ci, on peut pas, il y a juste la position allongée. Voilà. Et en fait, donc ça, c'est une nouveauté. Alors du coup, j'avais jamais fait attention à ce modèle-là. Je pensais que c'était le même, vous voyez. Et il y a le coussin. Donc en fait, celui-là, c'est un mixte entre la chaise et le transat. Tiens, des nouveaux paniers ronds en métal. Hop, alors je fais des bêtises en direct. Donc on a ceux-là, et ils sont en métal. C'est vrai qu'on dirait du bois, mais c'est plutôt du métal. Donc il y a cette couleur-là. La dernière fois, vous étiez nombreux à rechercher des panières à pain. Ça peut être sympa parce qu'on avait vu les plus petites, mais ça c'est bien parce qu'on peut mettre un peu plus de pain. Donc il y a cette couleur là et à noir. Alors je vais pas l'enlever du coup pour faire la même, pour pas faire la même bêtise. Du coup, je sais plus si je vous ai donné le prix, 3,99, 28 cm de diamètre. C'est une nouveauté, une nouvelle étagère. Elle est à 15,95 €. Oh, c'est dommage, elle n'est pas ouverte. C'est vrai que des fois, je vois des petites décos comme ça, pas ouvertes, donc je vois pas ce que ça donne, mais c'est mignon. Ça a l'air d'être avec les des petits diamants. Voilà, c'est comme ça. En fait, c'est style-là, hein, plus ou moins. Donc, si vous avez des plateaux comme ça, ça peut être sympa d'avoir l'étagère déco à côté pour faire un ensemble, pour décorer vos tables. Ça, c'est 5,79 € et le plus grand, 6,75 €. Déjà les agendas, donc là on va arriver aux arrivages de tout ce qui est rentrée scolaire. On a déjà les agendas, 2,39 €. Alors c'est compliqué parce que des fois on envoie des jolis, puis après, quelques semaines après, on envoie des encore plus beaux. Donc choisissez bien votre agenda, mais si vous avez vraiment un coup de cœur, n'hésitez pas, parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc, regardez aussi comment ils sont à l'intérieur, si ça vous convient. Donc on a celui-là, on a celui-là. Ceux-là sont à 3,99 €, ils sont rembourrés un petit peu arc-en-ciel. On a ceux-là, 1,39 €, 1,89 €. Ceux-là, 2,29 €. Les emojis, 2,29 €. Surtout pour les plus petits, choisissez bien comment les lignes à l'intérieur sont organisées. Alors en général, les agendas, on les demande à partir du CE1, CE2, mais après, l'appréciation va aller par rapport à chaque maître, maîtresse. Après, en collège, non, c'est ce qu'ils utilisent. Alors je sais qu'il y a des départements aussi qui offrent des agendas. Oh tiens, 2,39 €. Ah, c'est pas mal ça. Il est pas mal celui-là. Voilà, avec la petite pochette. À la fin, 2,39 €, on l'a en rose et en vert. À la rentrée, on a toujours les carnets mini, enfin Disney. Donc c'est des carnets de notes tout simples à l'effigie de Disney. Donc c'est 1,99 €. On a celui-là. On a ceux-là. Bambi. J'ai vu les princesses aussi. Les parfums d'ambiance, alors il paraît qu'ils sont super bons celui-là. 2,19 €, c'est la gamme Fabulosa.
2,19. Alors, on a le parfum de linge aussi. Je ne sais pas si on va le trouver en rayon ou pas, mais si j'oublie de vous le montrer, apparemment, pareil, il est très bien. En mettant un tout petit bouchon de liquide, ça parfume tout le linge. Pink Stuff, on a le nettoyant multi-usage de la gamme Pink Stuff. Alors, par contre, je ne vois pas la pâte, hein, mais il y a le spray, 2,39 €. Et feuilles de décoration, alors celles-là, on les voit beaucoup dans les fonds de tiroir, 1,29 € pour tapisser vos fonds de tiroir. Alors, c'est vraiment pratique d'avoir ce genre de feuilles. Alors, ah non, celles-ci, elles sont adhésives. Non, vaut mieux que ce ne soit pas adhésif pour mettre dans les fonds de tiroir. Pourquoi le petit plus de mettre ce genre de choses au fond des tiroirs, c'est de pouvoir après secouer, nettoyer plus facilement vos tiroirs. Donc ça, c'est plutôt de la déco. 1,29 €. Les fonds de tiroir, puisque je vous en ai parlé, il y a ça qui est pas mal. Moi, j'ai mis ça dans les tiroirs et dans les placards pour deux raisons. La première, c'est que, voilà, comme je vous dis, comme ça, il y a juste, quand je vide mes tiroirs, il y a juste à enlever ça, à nettoyer, à l'emmener au lavabo, à nettoyer. Après, je passe un petit coup d'aspirateur dans le fond du tiroir. Mais aussi, ça permet d'éviter, donc c'est antidérapant, ça permet aussi d'éviter le bruit quand on pose les verres ou les assiettes dans les placards. Il y a 1,50 m sur 50 cm. C'est trop mignon ça. 4,95 € les butoirs de porte. Il y a Be Happy. Have a nice day. Alors, c'est pour maintenir les portes ouvertes, mais c'est pas mal. Ça peut être une autre déco. Il est beau celui-là. On a cela. Ah, mon préféré, moi, ouais. C'est celui-là. Il est beau celui-là. 4,95 €. Ça, c'est pratique. Ils en ont remis. C'est des sacs de rangement sous vide, 5,95 €. Moi, je les utilise pour ranger tout ce qui est couette, drap, etc. Donc, ça permet de prendre moins de place. Ce qui est bien là-dedans, c'est un peu le principe hein, des sacs. C'est le principe des sacs comme ça, mais sauf que comme il y a le, comment dire, l'emballage, enfin le, comment on peut appeler ça, parce qu'il va faire le petit coffre. C'est mieux pour les ranger, les entasser les uns sur les autres, parce que c'est vrai que quand on fait des sacs comme ça, du coup, c'est un peu biscornu, donc ça tient pas, des fois ça glisse. Là, au moins, vous avez le bac. Enfin, ça y est, je perds mon mot ce matin. 5,95 €. Ils font cela 40 par 41 par 25. Ça, c'est la taille du final. Hein. Je parlais de panier à pain tout à l'heure. C'est pas une nouveauté, mais on a ces petites panières à pain. À 2,69 €, il y en a deux imitations rotin. Hein, ils ont encore aussi cette étagère en bambou. 4,95 €, 21,5 par 23,5. Les bols en forme d'animaux. Alors, on a eu les mugs. Là, on a les bols. On a le renard. Donc, c'est 2,99 €. Le chat. Je ne sais jamais cet animal. Je crois que c'est un raton laveur. Corrigez-moi en commentaire si c'est pas ça. Le paresseux. Ah, celui-là, c'est le plus simple panda. Il est beau, celui-là, en plus. Alors, c'est pareil. Hein. Soit vous prenez ceux que vous voulez, les animaux que vous voulez. Soit vous pouvez faire un mélange. Hein, prendre tous les animaux, ou presque. Moi, j'aime bien le panda. Il est sympa. Le panda et le chat. On revoit les verres. On les avait vus dans l'autre action. Je ne sais même plus le nom de la ville où j'étais il y a deux jours. Ce n'est pas grave. C'est pas loin d'ici. Les verres à eau colorés. 1,59 €. On a celui-là. Alors, au niveau des motifs, on a ça et on a ça. Et au niveau des couleurs, on a donc le gris, celui-là, le rose. Et alors, en fait, ceux-là, c'est la gamme tendance. C'est l'autre collection où on a eu les carafes, etc. Donc, ceux-là, c'est ceux-là, hein, ces deux motifs-là. Alors, les cloches sur pied à 4,95 €. Donc, l'une de vous m'a demandé de lui montrer une fois hors du carton. Alors, vous savez que j'aime pas trop ouvrir les cartons, donc ça fait ça. Mais comme je vais en prendre une, je me suis permise de l'ouvrir. Et donc voilà, ça donne ça. Elle est très jolie. Moi, je pense que je vais mettre mes petits chocolats. Ou des fois, quand je fais des petits cupcakes. Et elle s'enfile comme ça. Elle a 4,95 €. Allez, côté voiture, qu'est-ce qu'ils nous ont remis? Le dégivrant pour serrure, 79 centimes. Et on retrouve aussi ces liquides lave-vaisselle parfumés. C'est 1,69 €, il y a 500 ml. On a Coca, Cool Slice, je ne sais pas ce que ça sent, et on a pain.
Alors, par contre, c'est à diluer dans 5 litres d'eau. 1,69€. Les pare-soleils voiture laser. 2,99€. Alors ça, j'ai jamais su s'il fallait le mettre à l'intérieur, à l'extérieur. J'ai vu des personnes les mettre à l'extérieur, à l'intérieur. 2,99€. Donc, pare-soleil. Alors, l'hiver aussi, du coup, on le met à l'extérieur pour le givre, il me semble. Ah, c'est sympa, ça. C'est un compresseur avec un indicateur comme ça. 19,99€. Avec le chargeur USB, c'est rigolo, ça. Donc, pour les vélos... Alors, c'est à recharger, si je comprends bien. Et ensuite, on va gonfler tout ce qui est pneus, ballons, pneumatiques. 19,99€. Oh, rigolo, c'est un entonnoir en silicone. Hop. 78 centimes. Nouveauté côté masque. Justement, hier, je disais qu'il n'y avait pas de nouveauté. Là, il y a un lot de 7 masques. C'est un masque par jour. C'est 2,89€, 100% biodégradable. Oui, il y en a 7. Et un petit tour dans les éponges. On a ce lot-là de 18 éponges. En fait, il y a plusieurs tailles. Elles sont à 5,95€. Alors, c'est bien parce qu'il y a des actions, on ne les trouve plus, ceux-là, ces lots-là. Et on a celui-là à 1,44€. Il y a 20 pièces. Allez, ce matin, je n'ai pas envie de chocolat. On va finir par du salé. On a ces petits pains à l'ail à 1,19€. Ils sont excellents. Alors, soit on les mange comme ça nature, accompagné d'une petite salade. On peut mettre un petit fromage à tartiner dessus. C'est pas mal aussi. 1,19€. Salé aussi avec ses wraps. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à les trouver. Ils ont pas mal de succès. Il y en a 8, les petits. 1,49€ et 1,99€, les grands. Alors ça, c'est sympa, on peut faire une petite idée repas, c'est les tacos. Après, on peut faire des tacos, on peut faire des fajitas, plusieurs choses avec cela. Nous, on aime bien plutôt les tacos. Alors dedans, on aime bien mettre du poulet. Nous, c'est simple. Hein. C'est poulet, salade, tomate et du fromage. Après, on peut mettre ce qu'on a envie à l'intérieur. Hein. C'est selon les envies de chacun. Donc, c'est bien aussi parfois de découvrir certaines épices. On peut mettre une petite épice à l'intérieur. 1,99€, mais c'est vrai que c'est plutôt en ce moment, c'est très très tendance, les tacos. Voilà, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.